voler, bravo. Ah super, elle s'est bien ouverte. Hein. Tu vois, il y a un moment donné, elle s'est mise derrière. C'était le bon moment en fait, je ne t'avais pas dit, mais c'était le bon moment pour stopper la rotation et te mettre en marche arrière. Et quand elle plonge devant, et bien on sort. On essaie de la bloquer pour être sûr de faire prendre une fermeture et ensuite de laisser voler. Ah, c'est une bonne boîte à vrac, hein, la vraie comme ça. Hein. En fait, pour un bon effet de pilotage. Tu peux te regagner dans la sellette si t'es motivé, on y retourne. En essayant de choper une bonne porte de sortie, dès qu'elle plonge en arrière, on met marche arrière. On peut changer de côté, t'es motivé. Et bim, tu peux envoyer. Ok, à droite. Remonte doucement la main droite pour faire tourner, doucement vers la marche arrière. Ok, marche arrière. Marche arrière et laisse voler. Ok, laisse voler, tempo, tempo. Allez, décroche tout. Ok, laisse voler, laisse voler, laisse voler, laisse voler maintenant. Ah, il y a moyen d'enchaîner des bons incidents de vol, tu vois. Ça t'entraîne là à laisser voler quand il faut, quand elle est devant, à faire des grosses tempos et à maintenir le décro quand elle est derrière. Ouais, on est peut-être un peu bas. C'est peut-être plus sécu de se refaire un petit décrochage normal si tu veux bien. Hein. Parce que là, si jamais ça foire un peu, on va finir à l'eau. Ce sera dommage sur le premier vol de la journée. Sinon, si t'es fatigué, si t'as été un peu brassé, on peut aussi finir avec juste 2-3 wings tranquillement. Si t'as pas envie de te remettre le décro marche arrière. Ok, bien guidé dans la sellette. Hein. Ok, d'accord. Je te suis, hein, mais bon, je vois que finalement tu l'as pas percé, donc c'est que tu dois pas être surmotivé de t'en mettre un déco. C'est vrai qu'on est bas, donc tu fais 2-3 wings et puis on va rentrer tranquillement. Et Pascal est... Ouais, reçu.